Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour la suite et la première session de 2023 de Neverwinter Nights 2. Dans la session précédente, nous avons fait deux choses, à savoir laver notre honneur par l'épreuve du feu en faisant combattre Kelgar Poindanel en tant que représentant face à Lorne. Nous avons gagné, donc notre honneur a été sauvé par l'épreuve du feu. Cependant, lorsque nous sommes retournés au quartier de Lac Noir, la demeure d'Aldanon a été cambriolée et il semblerait que, malgré notre secours, eh bien, quelque chose se prépare, quelque chose de pire encore se prépare. Nous allons donc continuer cette enquête avec ceci, le fragment du Seigneur Tavrik, cette quête qui continue de nous... sustenter et qui continue d'ailleurs et qui fait tout l'intérêt de cet acte 2. D'ailleurs aussi, nous avons complété deux quêtes sur la vision de Kelgar, à savoir deux sur les trois. Il nous reste juste à savoir comment résoudre celle-ci et nous aurons fait en sorte que Kelgar devienne un moine. Et oui, sur l'ordre du Seigneur Tavrik, vous devez prendre la tête d'un petit contingent de garde et vous rendre dans le domaine Tavrik, vous en avez sur Tavrik, un fragment d'argent qui est en sa possession. Espère qu'un individu qui est à la recherche de ce fragment se dévoilera. Et donc nous allons sortir. Mon équipe, évidemment, vous connaissez cette équipe de choc, à savoir notre propre héros, Brandy Black, Kelgar Poindanel, le nain de la, du clan des Poindanel, Sand, le marchand qui connaît tout des us et coutumes de Luskan, Sandra Gero, qui est le personnage attitré qui ne pourra plus jamais nous quitter, et évidemment la magicienne Kara. Je n'ai pas de nouvelles d'ailleurs de l'histoire de Kara, j'espère que cela se débloquera plus tard dans le jeu, parce que je suis curieux. Alors, le domaine Tavrik, voyons voir. Je pense qu'en sortant directement de la ville. Oui, nous allons sortir de la ville. Pour cette fois, je pense que je ne vais pas faire la traditionnelle ellipse que je dois faire à chaque fin de session et que je ne pense pas faire pour vendre tout mon équipement et tous les drops que j'ai. Alors, voyons voir, Ember, Bois du Crépuscule, Point les frais, je pense que nous allons tout directement retourner au quartier de Lac Noir. Alors, le domaine Tavrik. Domaine Ternar. Manoir Tavrik, là-bas. La maison d'Aldanon était par ici. Alors, pas ici, mais par là. J'espère que cela sera bien plus calme chez Tavrik. Venez les gardes avant, vous comprenez, il n'y a rien qui plaît plus à un garde que de s'écouter dire un truc où devez-vous le danger réel, la raison d'être prudent. Il a enfermé ses enfants dehors pour parce qu'ils avaient oublié. Fait nuit, il pleuvait, je te le dis. Bien. Très bien, bon, eux, ça a l'air d'être les gardes. Moi, je rentre, hein, et je vais voir Tavrik. Permettez. Oh. Oh oh oh, une seconde. Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas du tout cela.
Je ne détecte rien. Pas de porte. Pas de piège. Soit c'est très grand, soit c'est très calme. La grande salle est vers l'étage supérieur. Très bien. Ah, capitaine Bellard. Oh, oula. Quelque chose me dit qu'il va se passer quelque chose. Je regrette, seigneur, mais la fille doit partir. Oh, regardez-la un peu. Une jolie fille comme ça aiderait n'importe quel homme à rester en vie, même un vieux schnock comme moi. C'est bien ce que veut Nachère, non? M'empêcher de mourir, hein? Le seigneur Nachère s'inquiète pour le bien-être de votre seigneurie à la lumière des morts récentes de vos associés. Si Nachère se souciait de moi, il m'achèterait une potion de jouvence, ou au moins, il m'enverrait un harem. 84 filles, une pour chacune de mes années. Eh oui, peut-être. Oh, les soldats. Mélia, ma chère, j'insiste pour que vous reveniez jouer pour moi bientôt. Après-demain, peut-être. Monseigneur est très bon. Je serai honoré. Et c'est cette personne que je dois protéger. Des portes. Seigneur Tavoric, très bien. Je vais fouiller un peu cette zone. Oui, un entrepôt avec pas mal de ressources, du vin sûrement pour la cuisine. Et par ici. Oh! Il semblerait que ce soit un bureau ou une deuxième cave avec une autre porte, sûrement vers l'extérieur. C'est par là que la jeune femme a dû partir. Très bien. De ce côté-là, nous avons une autre porte fermée. Bien, j'en sais assez sur les environs et dessus la porte. Très bien. Seigneur Tavoric, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai entendu parler de votre affaire avec Lisbeth Bryce. Il faut que j'aie une discussion avec son père. Cet homme peut faire vider les étriers à n'importe qui avec un bâton pointu. Mais il est incapable d'élever une fille de 18 ans. Vous auriez dû l'envoyer ici, je l'aurais recueilli. Ne me regardez pas comme si ça n'avait rien d'inconvénient. Qui était cette femme? C'est une protégée d'Ophala au masque. Elle vient me rendre visite de temps en temps, cela me rappelle à quoi ressemble une vraie femme. Charmante, elle joue de la harpe comme un oiseau, je ne l'entends pas. C'est vrai, mais c'est très beau à regarder. Vous êtes sourd? Ma quatrième épouse avait des mains magnifiques. Quatrième épouse? Maintenant, que voulez-vous savoir? Vous voulez savoir si elle venait brûler vive? Je regrette. Darlene et Brannick, oui. Mais. Ah. Ok, il te dit. Oux, toutes les mains, il marchait. Oui, bien. Vous faites beaucoup plus jeune d'ailleurs. À 84, j'ai encore tous mes cheveux. Vous allez pouvoir tirer, ce sont les miens. Où est le fragment? Je vais dans la poche et lire. J'ai dit à Nachère que je ne le donnerai pas. Il a dit que je n'étais pas obligé. Très bien. Il est gentil. Et vous savez où ça a amené? En exil à Valbise. Cet idiot s'est dit qu'il allait mettre ses initiales en bas. Je vous ai déjà dit que ce que je pensais des artistes. Vous êtes très doué pour changer de sujet. Vous devriez vous reposer à l'étage, je pense. Oh, très bien. Mais non. Je serai à l'étage dans la chambre, je pense que je vais aller me coucher un peu, il y a toujours des jolies filles dans mes rêves. Eh bien. J'espère avoir fait le bon choix en la voyant à l'étage supérieur. Bon, capitaine. Permettez-moi de vous dire, bachelier, que c'est un honneur de combattre à vos côtés. Eh bien. L'épreuve du feu, les vétérans. Avez-vous inspecté la maison? J'ai déjà fait un premier passage dans la maison, fermé les portes extérieures et posté les hommes à l'étage. Très bien, nous sommes 5 et tous est guéri. 1, 2, 3, et si je compte ceux de devant, ça fait 5. Alors, c'est comme il dit, ne fait pas beaucoup très bien. Mon sergent Darwin, Guff et Wolverly, je les ai fait entrer et... je les ai fait entrer verrouiller la porte d'entrée à tomber de la nuit. Si vous permettez, j'aimerais aussi barricader toutes les entrées. Et si nous devions sortir? Mais j'ai pas ordre de rester ici pour protéger Tavoric. Mes hommes et moi ne bougerons pas d'ici. Très bien.
Quand on voudra, on bouclera la maison. Vous serez devant la porte Tavarek, ce serait sorte de Nashor. Eh bien, j'aimerais inspecter la maison. Cependant. Vous faites confiance à tous vos hommes, je me porte garant de chacun d'eux. Très bien. J'aimerais inspecter la maison avant de monter. Très bien. Je vais inspecter l'étage. Ne sait-on jamais si c'est eux qui ont déjà commencé à verrouiller certaines portes, autant savoir lesquelles seront verrouillées si jamais il arrive malheur. Eh bien, qu'avons-nous là? Une bibliothèque avec beaucoup de problèmes. Cette porte est verrouillée. Oui. Et ça doit être le bureau de Tavorik. Eh bien, des bouquins, d'atelier d'alchimie. Ça doit être sa chambre. C'est même sûr et certain. Très bien. Je vais parler avec ces autres hommes. Savoir ce qu'ils pensent de Tavorik. Je ne me souviens pas de Finch, c'est un beau gars, très bien. Et vous êtes Derwin, très bien. Bien. Nous pouvons barricader la maison. Derwin vous a entendu à chercher Guff et Waverly, fermez les portes. Très bien. Aux enfers ta bonne humeur! Je te dis, Waverly, le temps est mauvais. Oui, mais c'est toi qui l'as senti le premier, Guff. Moi, j'ai pas pris deux fois des haricots. Bah! Pourquoi Ballard le Noir ne m'a pas mis avec Finn pour une fois? Au moins, j'aurais du calme. L'air empeste, Waverly, et il est trop calme. J'aime pas ça. Par les enfers! Par les dieux! Pas les dieux, je pense. Aux armes, les gars! Le capitaine nous envoie vous chercher. Il y a une drôle de brume en bas. Restez ici. Vous restez devant sa porte. Et faites bien attention. Comment ça, une brume étrange? Et tout le monde vient avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Il fait une demi-bougie que ça fait que c'est comme ça, aucun problème en vue à part la brume, la puanteur et la lumière. Une horde de démons, ils ont traversé l'entrée et nous ont fait battre en retraite. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est gros. Combien ils vont passer? Où sont-ils? Oh la vache, ils sont là. Ah non, il faut protéger la magicienne. Des petits démons. Il n'y a que ça. Pour revenir, attaquez à mesure qu'ils arrivent. On doit attaquer au fur et à mesure. Pour l'instant, ce ne sont que de petits démons et c'est tant mieux. Ça, par contre, ça va poser problème. Oh, des drops. Je prends. Potion. D'autres. Une succube juste ici, comme si je ne l'avais pas vu. Toi, tu viens avec moi. Ah,
Qu'est-ce que c'est? Érignée? Qu'est-ce que c'est que cette chose horrible? Merde, ils sont morts. Viens à l'étage. Tavoric? Oh merde. On va à l'étage, mais d'abord... petit 1. On récupère tout. Enfin, je récupère tout. Et je ferai le tri plus tard. Alexandrite. Ah non, GIF. Religion de la côte des épées. Aïe, ça me fait mal. Ça me ferait presque mal, GIF. Faisons une sauvegarde en attendant. Je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus, mais ça ne me plaît pas. La porte a été ouverte. Oh non, vite! Ça ne durera pas. J'ai bien fait de laisser les deux gardes. Bien. Il n'y avait que deux. J'espère qu'il n'y avait que ça. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Seigneur. Ces horribles bêtes sont sortis de nulle part, sont sortis de l'obscurité. C'est la crypte, je l'ai fait protéger par des sauts de garde, ils pourront venir que par la porte, il faudra du temps pour passer. Où est la crypte? Dans la grande salle, on passe par la porte ouest, on descend l'escalier. Très bien. Bien, bien, bien. Je ne peux toujours pas me reposer. Si, je peux me reposer. Ah merde, j'ai deux personnes de plus. Finn et le seigneur Tavoric. Il va falloir que je fasse très attention concernant le seigneur. Mais avant, Khalgar, je suis navré. Tu vas devoir porter quelques objets. Tes lingots alchimiques. Qu'est-ce que ça peut me faire? Un anneau de protection. Qu'est-ce qui se passe? J'approuve. Tout le monde a des anneaux, oui. Bien sûr. Suivez-moi. Bien. Ne perdons pas de temps. Qui sait ce qui se trame encore? B. Oui. Démon garde leur distance comme s'ils attendaient que nous fassions le premier pas. J'ai pu apercevoir le gros, celui que Guff a vu dans la porte. Il reste en arrière et donne des ordres. Nous allons faire une sortie vers la crypte. Ah. Aïe aïe aïe. Et je dois sauver tout le monde. Que je fasse attention à garder tout le monde en vie. Bien. Maintenant, il va falloir y aller en douceur. Donc, si j'ai bien suivi, la crypte se trouve non pas de ce côté, mais là-bas. Aïe aïe aïe, Guff. Au moins il aura protégé tout le monde. C'est le plus important. Impossible de se reposer ici. Ah. Bien. La crypte, là-bas. Chapelle vers la crypte, très bien.
Eh bien, ah, évidemment, c'était à prévoir. Je m'occupe de la succube. Bien, maintenant que tout le monde reste ici. Impossible de se reposer. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Il doit me rester quelques potions, j'espère. Oui. Faudrait que je les utilise sur quelqu'un. Faut pas les utiliser. Vraiment. Hop, 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 hop. Annule. Je veux pas annuler. Shit. J'aimerais éviter que certaines personnes ici ne meurent. Bien, en douceur. Chambre gardée. Et maintenant. Vous êtes un petit peu trop près de moi, messieurs, par contre. Il y a forcément une porte. Abattez les démons survivants et parlez-lui. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah, il est là. Parfait. Où est le fragment? Je l'ai donné à Melia. Tout était Universal Studios. Quoi? Une des neuf. Quoi? Mais vous êtes... Mais... Qu'est-ce que... Mais merde. Faut impérativement la sauver. Quel idiot. Évidemment, il y a un démon là-bas qui n'attend que d'être battu. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et je... Nom de Dieu. Voilà, qui n'est pas... une chose facile. Ta peau est assurée, tu vis les brisés. Tu veux tuer démon. Ça tient beaucoup, il renage sous sa domination, je suis hâte. Et que chasse ton maître, chasse le fragment à la fille qui a fui, l'attend depuis longtemps. Merde. Je suis trop chargé pour... Oh non. Kara, je t'en supplie, fais quelque chose. Je vais me prendre tous les malus du monde, je sais pas à quoi m'attendre. Ouais,
Kara n'est plus, et là ça va être compliqué. On l'a battu. On l'a tous battu. Bien. Une montée de niveau qui ne sera pas inutile. Je ne peux toujours pas me reposer. Et nous sommes tous dans de beaux draps. Tous dans la maladie. J'aimerais éviter que cela tout se propage. Heureusement que j'ai des trousses de premier secours. Bon, qui est malade? Il n'y a plus de maladie, il n'y a que des malus. Et là, par contre... Bien. En attendant, passons à la montée de niveau. Un peu plus en estimation et toujours en bluff. La discrétion est la plus importante, la perception aussi, le crochetage. Et on a tout le plus précieux et l'escamotage. Oui. Quelle gare. Ah, spécialisation de l'arme martiale. Ah, très intéressant. Plus 13 en PV. Je pense qu'il est temps qu'on me suive. Je suis votre nouveau chef. Quel sera tes nouveaux sorts? Une barrière autour du lanceur, très intéressant. Et la boule de feu retardement, très bien. 5 points de vie, ce n'est pas beaucoup. Spécialisation martiale supérieure des épées courtes. Très bien. Et Kara. Un nouveau sort, la boule de feu retardement aussi. Et plus 7 PV. Très bien. Oui. Il n'y a plus qu'à sortir et espérer qu'il n'y ait pas d'ennemis dehors. Je ne peux toujours pas me reposer. Très bien, toutes mes maladies sont parties. Réduction de dégâts, à part pour Sand, mais c'est tout. Voyons, le masque. Si je me souviens bien, le masque se situait dans le quartier marchand. Le quartier des docks. Je vais sûrement devoir y faire un tour. En espérant ne pas me tromper. Et au moins je peux me reposer, le temps de vérifier. La garde, le forgeron, les shops, la shop sans fond. Ce n'était point ici. Eh bien le quartier des marchands. Le masque, là-bas. Il va falloir se dépêcher. Et reprendre ce fragment au plus vite. Oh. Toujours faire des petites sauvegardes. Mm-hmm.
Merde, je suis arrivé trop tard. Un homme au tatouage sur le visage nous attaquait, il est encore à l'étage. Merde, vite. Faut impérativement que je l'arrête. C'est encore à l'étage, j'ai une chance. Des démons. Il y a des démons partout et des succubes. Magicien. Où est-il? Je dois impérativement le trouver. Bien. Là. J'espère qu'il me reste un peu de temps. Wow. Des renforts. J'ai peur que vous arriviez trop tard. Et si c'est le fragment que vous cherchez, j'ai bien peur de l'avoir. On dirait qu'il ne vous reste que votre vie. Mais nous y remédierons facilement. Attaque! Molosse de guerre! Et un au second. Et merde! Il est parti avec le fragment. On est arrivé trop tard. Il n'y a pas d'indice. Il n'y a que des corps sans vie. Attendez, une porte. Non, personne. Merde. Des mauvaises nouvelles. Je pense que le seigneur Nasher ne va pas être heureux de ce qui vient de se passer.
Non. Pas de marchand. Je peux pas vendre. Passons. Qu'est-il arrivé à mon manoir? Depuis quand est-il si sombre et froid? Je dois demander à mon assistant de faire un feu. J'ai dit, de la lumière, je vous prie. Quelle drôle de porte. Et cet endroit ne me rappelle rien. Hé, il y a quelqu'un? Cette porte est coincée. Sachez que personne n'entendra vos paroles ici. Oh, pardon. Je n'aurais pas parlé si fort si j'avais su qu'il y avait quelqu'un près de moi. La porte paraît coincée. C'est très gênant. Pourriez-vous... Ma porte aussi est scellée. Garius viendra bientôt vous chercher. Garius? Ce n'est pas le nom de mon assistant. Garius est le maître de la cinquième tour. Et vous êtes en vie parce qu'il a besoin de votre aide. Comme il voulait autrefois la mienne. Je regrette, je vous vois plutôt mal sous cet angle. Que voulez-vous dire? Je suis toujours disposé à aider les gens, vous savez. En cette affaire, vous devriez choisir la mort pour votre bien. Et le bien de ce plan. Garius cherche le savoir d'un ancien rituel d'Ilfarn, qui lui donnera le pouvoir du roi des ombres. Mais sa compréhension du rituel est limitée. Je peux l'aider. Le savoir est un peu mon passe-temps. Je pourrais peut-être l'éclairer sur ses problèmes, surtout si cela concerne des livres ou d'étranges rituels. Je dirais que ce Garius a choisi un étrange endroit pour cela. Ce lieu n'a pas l'air d'avoir appartenu à l'Empire d'Ilfarn. Ce n'est pas ça, mais le pouvoir repose au cœur des pierres de cette structure. C'est l'un des sites de la guerre contre le roi des ombres, quand il a touché ce plan il y a bien longtemps. Une partie de lui réside encore ici, et donne force à ses adorateurs. Eh bien, il n'est jamais bon de toucher aux pouvoirs ancestraux. Toutes ces histoires de rituels ne me disent rien qui vaille. C'est de la folie. Mais la folie apporte le pouvoir, et Garius refuse de s'en détourner. Une bien étrange cinématique. Et qui était ce personnage vêtu de blanc? Et qui était cette femme? Ben, en tout cas, il faut vite parler au Seigneur Nashair. Nous avons un problème. Oui. Contre, il m'a échappé. J'ai envoyé les capes étoilées au masque de Pierre chez Syrien chercher les indices. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de Mélinia? Si j'ai tué son identité, c'était pas pour nuire un truc. Ah. Je n'aime pas qu'on mente. Il semblerait que les problèmes dans Pas d'hiver sont encore plus importants. Sydney Nathan, mais qui êtes-vous? Ah, tour des arcanes, je n'aime pas ça. Aussi. C'est bon, ouais. Diplomatie. Hein. Nathan, notre ambassadrice de Luskan. Évidemment, elle est arrivée depuis un moment, j'avais espéré vous en parler en prieur, nous entretenir, son associé et... Kralver. Donc, une importance, il n'est là que pour m'assister en silence. La nouvelle que jamais ne vous concerne, Seigneur Nashair, et moi avant tout, il est donc parfait que vous soyez là. Je vais espérer pouvoir vous en parler de partir. Dans quel but Luskan nous envoie-t-il quelqu'un? Je suis venu expliquer les choses en détail depuis Luskan sur l'escouade de moi, où les apparences pourraient être mal interprétées. Vous avez des problèmes assez avec des éléments que vous pensiez Luskaniens. En réalité, ils n'ont aucun rapport avec nous. Ah oui. Tiens donc. Il y a 4 tours à Luskan, chacune dominée par un mage d'expérience, et nous travaillons tous les 4 pour aider Luskan et son peuple. Mais un soi-disant maître de la 5ème tour, comme son titre l'indique, a outrepassé ses droits. C'est le mage, apparemment Garius, le ténébreux, il se fait.
Ils se montrent très industrieux ces derniers temps, presque autant que vous, mon cher ami. Et quel maligant style a déclenché une guerre. Ah. Ryu-Team nous agressait depuis déjà un moment, il a fallu agir un jour ou l'autre. Je pense que l'annonce du Seigneur en a pris ombrage. Certains au Seigneur, puisque Ryu-Team a mené la première attaque, il est dans... possède un tome appelé le tome Dilt Kassar. Oui, qu'est-ce que c'est? Bon, ça demande. Ah, très bien. Et comment pourrions-nous le récupérer? Garus était nombreux à passer une alliance avec un certain roi des ombres, un homme ou une créature. Aldanan, oui. Que voulez-vous dire? Ah, c'est déjà pas mal. Essence rémanente, c'est mieux. Fait détailler ce point. Il serait utile pour le scan de lancer une guerre contre un deuxième front. Espion, le spectre des assassinats, c'est pas vous. L'affaire entre Scan et Verne me regarde, nous sommes tous deux. Je le savais. On n'a pas le choix, Chandra Giro, on n'a pas le choix. Très bien, je suppose que je n'ai pas le choix. Bon, vous pouvez me laisser pas. Ouais, vous pouvez me laisser descendre les gars, s'il vous plaît. What do you want? Et je peux parler avec aucun d'entre vous, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et Chandra, j'ai perdu tout. Vous avez rencontré Sina Novasavris, selon la ligne officielle, la cérémonie menée par Garus. En effet, vous devez vous rendre au fort de la croisée. Très bien, sauver Aldanan et en finir avec Garus. C'est exactement ce que je vais faire. Un souci qui a duré depuis un peu trop de temps. Et même si Chandra, ça ne lui plaît pas, il va falloir faire avec. Cependant, avant de nous y rendre, il va falloir que je passe faire un petit peu de marchandage. Et ça tombe bien. Ça fait un petit moment que j'enregistre, donc je vais en profiter pour faire un cut ici, tout faire en ellipse et vous reprendre juste avant le voyage vers
le fort de la croisée. Je vais juste me rendre au quartier des marchands. Et je vous dis à tout de suite pour le fort de la croisée. Le passage chez le marchand a été fait. Rendons-nous. Non, rendons. Allez, il faut se rendre. Voilà. Au fort de la croisée.